On va attendre un petit peu que ça rentre. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette masterclass Bicorp, comment accélérer l'impact positif de votre entreprise, organisée en collaboration avec Utopie et Bilab France. J'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Labille, fondatrice du cabinet Utopie, qui animera cette masterclass. Bonjour. Bonjour. Avec Augustin Boulot, qui est délégué général Bilab France. Nous aurons Bonjour. également. Bonjour. Bonjour Augustin. Nous aurons également le plaisir en fait, d'écouter le témoignage de deux dirigeants d'entreprise Bicorp, Bertrand Bailly, bonjour, Bonjour. et Fabien Paget de 17 Sports. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors nous avons 1h30, moins d'une heure 30 ensemble, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions en fait, en fin de session. Et voilà, donc je vous laisse la parole. Elisabeth, bonne séance à vous. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Alors, très rapidement, en introduction et avant de passer la parole à Augustin, je voulais refaire une petite introduction peut-être sur d'où on vient et où on va en termes de transition écologique dans les entreprises, de développement durable, tout ça aboutissant à l'émergence de la communauté, du label et du mouvement Bicorp. Le premier constat, je ne vais pas vous le rappeler, c'est qu'on fait face à des défis sans précédent pour l'humanité à l'évidence, mais aussi pour les entreprises. Un petit signe de ça, c'est qu'en 2020, l'année du Covid, nous avons réduit les émissions globales de CO2 sur l'année de 7%. 7%, c'est à peu près et même assez précisément ce qu'il faut qu'on fasse chaque année jusqu'en 2050 si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris. En revanche, on l'a atteint en 2020 pour une raison très simple que vous connaissez, qui est qu'on a arrêté l'ensemble des activités humaines à la surface du globe pendant quasiment un trimestre. Et ça dit bien, d'une certaine façon, le niveau de disruption qu'on doit amener dans les activités humaines, dans la façon dont on conduit les entreprises, dans le capitalisme, si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et vous vous doutez, parce que l'enjeu, c'est d'atteindre cette réduction-là, mais chaque année, et en relançant l'économie plutôt qu'en l'arrêtant. Voilà, donc ça, c'est un petit enseignement que nous enseigne ce Covid. C'est le niveau de rupture, de disruption qu'il faut apporter à nos stratégies. Ça veut dire aussi qu'il est clair aujourd'hui que la voie business as usual, c'est-à-dire si on continue ce qu'on a toujours fait, ben on va obtenir ce qu'on a toujours obtenu. Et clairement, ça ne suffira pas à relever les défis, notamment le défi climatique. Il y a un petit schéma d'une économiste britannique qui s'appelle Kate Raworth qui dit pas mal ça. Elle a écrit ce livre qui s'appelle « La théorie du donut ». Et ça a le mérite, comme toutes les métaphores, d'être assez facilement mémorisable. Elle dit en gros, le contexte dans lequel il faut qu'on opère, c'est comme un donut. Donc, il y a un cercle intérieur, ce qu'elle appelle le plancher social, qui est les besoins de l'humanité, en gros. Et donc, évidemment, il faut qu'on arrive à être au-delà de ce plancher social pour répondre aux besoins de l'humanité de manière inclusive, aux besoins de chacun et de tous. Mais il faut qu'on fasse ça en restant dans les limites planétaires, et ce qui est figuré dans le donut par le cercle extérieur, qui est ce qu'elle appelle le plafond environnemental. Voilà, donc ça, c'est le cadre entre ce cercle intérieur, le plancher social, et le cercle extérieur, le plafond environnemental. Il y a ce qu'elle appelle un safe space for humanity, c'est-à-dire un endroit où on peut mener les activités humaines d'une manière qui à la fois répond aux besoins du plus grand nombre et reste dans les limites planétaires. On voit, alors ce schéma a l'avantage d'être facilement mémorisable, mais il a l'avantage aussi de nous dire que ce dont il est question sur ces sujets de transition écologique et solidaire, ce n'est pas uniquement de progrès technologique, d'innovation technologique, c'est l'innovation selon les experts. Alors, ça dépend qui parle, mais l'Agence internationale de l'énergie dit par exemple l'innovation technologique, ça va faire 50% du boulot. Le reste des 50%, c'est plutôt une transition de nos modes de vie, donc une transition culturelle avant tout. C'est aussi ce que dit ce petit article de George Monbiot là qu'on avait mis en bas, qui dit qu'il faut arrêter de se cacher derrière le recyclage et être honnête sur le fait que l'enjeu de tout ça, c'est une transition de notre culture, en fait, de la culture dominante aujourd'hui, et notamment de nos modes de vie, de nos modes de consommation. C'est important de le rappeler. Sur ce sujet de la transition culturelle, la transition des normes sociales, du point de bascule, la bonne nouvelle, c'est que souvent… alors, il y a deux bonnes nouvelles. D'abord,
le fait que le point de bascule, le fameux point de bascule théorisé par Malcolm Gladwell, notamment l'éditorialiste du New York Times, dans un bouquin qui s'appelle « The Tipping Point », ne se situe pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, au-dessus, c'est pas quand on passe au-dessus de 50% d'une population qui adopte un nouveau comportement qu'on bascule. Le point de bascule, il est quelque part entre 10 et 20%. Ça veut dire 10 et 20% d'une population, les consommateurs, mais aussi les dirigeants, qui adoptent une nouvelle perspective, un nouveau point de vue, de nouvelles pratiques, ça suffit à faire basculer les normes sociales et du coup à entraîner, si j'ose dire, la majorité silencieuse derrière cette minorité active qui préfigure de nouveaux comportements. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que dans cette théorie du point de bascule, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'en général, il faut une crise pour consacrer un point de bascule, qu'il s'agisse du passage à une alimentation plus végétale, de la raison d'être dans les entreprises, de l'impact positif, etc. etc. Et donc là, la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que des crises, on en a pas mal. Il y a eu évidemment celle du Covid, qui d'ailleurs a remis l'accent sur quelle est l'utilité de telle ou telle activité pour la société. Et puis, on a évidemment la crise économique qui a suivi, maintenant la crise en Ukraine, etc., qui entraîne une crise de l'énergie, une crise des matières premières. Donc, on est servi en termes de crise et espérons, à toute chose malheur est bon, que ces crises auront au moins servi à accélérer les points de bascule sur un certain nombre de choses. On l'a vu pendant le Covid, sur des sujets comme le télétravail, la mobilité douce en ville, etc. Et en plus, ces crises sont arrivées à un moment où d'ores et déjà, les appels à réinventer le capitalisme se multipliaient. J'en veux pour preuve ici l'appel qui a été lancé par la Business Roundtable aux États-Unis, qui est un think tank assez puissant qui rassemble les plus gros patrons, les patrons des plus grosses entreprises américaines, qui, à l'été 2019, déjà a fait une déclaration en disant que l'entreprise n'existait pas que pour enrichir ses actionnaires, mais pour servir la société. Ça a l'air de rien, mais venant évidemment de ces gens qui sont les CEO des plus grosses entreprises américaines, ça a un poids. De la même façon, BlackRock, premier fonds d'investissement au monde depuis 2018, le PDG Larry Fink que vous avez là, dit tous les ans dans sa lettre de vœux aux entreprises dont il est actionnaire, aux patrons des entreprises dont il est actionnaire depuis 2018, envoie des messages très clairs en disant à terme, si vos entreprises ne s'engagent pas très clairement sur un purpose, sur une raison d'être, sur une contribution positive à la société, sur une stratégie climatique ambitieuse, on arrêtera. Alors, il ne dit pas quand, il ne dit pas comment, mais on arrêtera d'investir et de soutenir vos entreprises. En bas, vous avez le nouveau positionnement du Financial Times, The New Agenda, Capitalism, Time for a Reset. Il est temps de réinventer le capitalisme. Évidemment, dans la foulée, vous avez la loi Pacte en France à l'été 2019 aussi, qui instaure les sociétés à mission, les entreprises qui mettent la raison d'être au cœur de leur statut et de leur activité. Bon, et ce mouvement n'est pas que français. D'ailleurs, il y a une loi similaire, Société à bénéfice, en Italie en 2015, aux États-Unis depuis pas mal d'années, au Canada, au Rwanda, au Pérou, à Taïwan. Donc, il y a un mouvement planétaire qui vise à donner un statut légal aux entreprises à mission. C'est aussi important. Et c'est dans ce contexte-là, si on passe à la slide suivante, que émerge finalement B Corp, le label, depuis 2006, le label, le mouvement, la communauté, Augustin va en parler. Autour d'une idée assez simple qui est qu'on peut être for profit, for purpose, à but lucratif et au service de l'intérêt collectif, et que il ne s'agit pas seulement de réduire les impacts négatifs comme on le faisait dans les démarches RSE traditionnelles, il s'agit aussi d'utiliser l'influence, le pouvoir des entreprises dans notre société pour faire advenir les solutions. Et c'est vraiment ce qui est au cœur du mouvement B Corp. Pendant longtemps, il y avait ce slogan chez B Corp, « Using business as a force for good », l'idée que l'entreprise est une force de changement dans nos sociétés et que si le capitalisme a contribué à créer une partie des problèmes qu'on veut résoudre, ben, il peut aussi, très vraisemblablement, mobiliser sa force, sa puissance, son énergie, qui est l'énergie combinée de la créativité humaine et du pouvoir de l'argent, pour résoudre ces problèmes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ben, l'évolution de la RSE au regard de ça, elle a été clairement, elle s'est faite en trois temps. Un premier temps qui est, dans les années 80, l'essor de la philanthropie, c'est-à-dire un engagement sociétal qui est à côté
de l'activité business de l'entreprise. Puis, on est rentré dans ce que nous, on appelle la RSE 1.0. Après le sommet de la Terre à Rio en 92, en gros, on est rentré dans... j'ai mis à peu près 15 ans sur chaque R, mais c'est un peu simpliste, mais ça marche quand même. Après le sommet de la Terre à Rio, les entreprises, il y a l'agenda 21 qui a été élaboré à Rio, que les pays ramènent, diffusent dans les entreprises publiques, sur les territoires, etc., et progressivement dans les entreprises. Et là, on commence à comprendre, en gros, que l'entreprise aussi, par intérêt bien compris, pour préserver ce que les anglo-saxons appellent la « license to operate », le droit d'exercer ses activités, doit réduire, essayer de réduire les risques et de minimiser les impacts négatifs de son activité. Et ça, ça se fait via des chartes, des politiques, des codes de conduite, des certifications, des rapports développement durable, puisque sur le développement durable, on progresse bien que sur ce qu'on mesure. Ça, c'est la RSE telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est assez rapidement rendu compte que minimiser les problèmes, ça ne suffit pas à être bon et à les résoudre. Et donc, depuis en gros le tournant des années 2010, un B Corp date de 2006, on voit bien émerger une nouvelle approche. Alors, ces approches ne se succèdent, mais elles ne se remplacent pas, elles s'empilent en quelque sorte. Les meilleures entreprises aujourd'hui, les plus avancées, les entreprises les plus engagées, sont très bonnes en philanthropie, très, très bonnes sur la RSE 1.0, la maîtrise des impacts négatifs, et aussi très bonnes sur la quête d'un impact positif qui passe notamment par la redéfinition de la raison d'être, le purpose, l'entreprise à mission, on en reparlera, par une démarche, une traduction de tout ça. La raison d'être, ce n'est pas une phrase suspendue en l'air, c'est quelque chose qui transforme le business, l'offre de produits et services, le modèle économique, en cherchant des nouveaux modèles économiques, qui met ça au cœur de la différence de la marque, qu'on soit en B2B ou en B2C. Si on passe à la slide suivante, merci. Ces entreprises à impact positif, dont les B Corp font partie, elles se caractérisent par quoi? Et les points que je vais évoquer là sont très présents dans le questionnaire B Corp, je pense qu'Augustin en reparlera. Ce sont donc des entreprises qui non seulement essaient de minimiser leurs impacts négatifs, mais qui vraiment cherchent à, par leur activité, par leur raison d'être, par leur modèle économique, par leur pratique, à avoir une contribution sociétale positive sur quelques sujets sur lesquels elles sont légitimes, quelques enjeux sociétaux ou environnementaux sur lesquels elles sont évidemment légitimes pour agir. Les facteurs clés de succès de leur démarche ou les points communs qu'on observe, c'est le fait de se donner, on est confronté à des défis radicaux, je l'ai dit tout à l'heure avec notamment l'exemple du climat, donc il faut des objectifs radicaux. On ne peut pas se contenter d'objectifs très progressifs, de minimiser de 2 ou 3% chaque année nos impacts. Il faut viser le zéro déchet, le net zéro climatique, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, des entreprises qui fixent des objectifs radicaux, des objectifs qui intègrent le développement durable et le business, qui ne traitent pas le développement durable en marge du business, des engagements très ambitieux, je l'ai dit, mais aussi très structurés, qui dépassent quelques projets emblématiques. L'idée, ce n'est pas d'avoir 2-3 projets, 2-3 produits qu'on met en avant dans la communication, dans les relations presse. C'est vraiment progressivement de structurer une approche qui vise à transformer 100% du business, 100% de l'offre, 100% du modèle économique. Troisième point commun, de l'innovation disruptive dans l'offre et dans le modèle économique, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui s'efforce vraiment d'aller chercher de la disruption, je disais tout à l'heure, parce qu'on sait aujourd'hui que le business, il n'y a pas de voie business as usual qui mène notamment à la neutralité climatique et aux accords de Paris. Quatrième point, un niveau élevé de responsabilité et de transparence, c'est vraiment ce qui est l'essence pour moi du BIA qui est le questionnaire B Corp. Et puis, un engagement global, puisque les enjeux qu'on essaie de résoudre sont de manière croissante, hein, globaux, le climat, les sujets de guerre, évidemment, les sujets d'énergie, etc. Mais tout ça doit être traduit dans des actions locales. Et je le rappelais tout à l'heure, un profond changement de culture, parce que c'est au fond cela dont il est question et dont on a besoin avant tout, un changement de culture qui embarque l'ensemble des parties prenantes. Et ces principes-là sont souvent intégrés, parfois intégrés dès la création de l'entreprise, hein, c'est le cas notamment pour les entreprises de l'ESS, les entreprises dites à impact, et de manière croissante, fort heureusement, ces principes sont utilisés par les entreprises pour transformer
leur modèle en cours de route, leur offre en cours de route. On a plein d'exemples qui montrent que c'est possible. L'exemple probablement le plus marquant d'une entreprise qui est quasiment née là-dessus, même si en réalité pas tout à fait, c'est Patagonia, leader des vêtements outdoor, entreprise californienne, fondatrice du mouvement 1% pour la planète, qui est un mouvement d'entreprise qui s'applique une sorte de taxe volontaire pour la Terre et qui donne 1% de leur chiffre d'affaires, non pas de leur profit, leur chiffre d'affaires. C'est un mouvement cousin, entre guillemets, de B Corp, il y a beaucoup de ponts entre les deux, d'entreprises qui donnent 1% de leur chiffre d'affaires donc à des causes environnementales, très engagées dans la lutte contre la fast fashion, en militant pour la réparation des vêtements, la garantie à vie, etc., etc. Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde cette entreprise-là, on a l'essence de de la feuille de route pour les entreprises de la mode, déjà pour au moins les 20 ans qui viennent, et l'essence sans doute de ce qu'il faut faire sur chaque marché. Nous, on a beaucoup cette discussion avec nos clients en leur disant « Est-ce que vous avez envie de devenir le Patagonia de votre secteur ?» Ça parle pas mal. Un autre exemple, je crois qu'on a mis derrière la Camif, qui est aussi B Corp. Alors, Camif, c'est une entreprise qui était historique, hein, qui était l'entreprise appartenant à la Maïf, d'ailleurs, de mobilier pour les enseignants, historiquement. Entreprise qui est en redressement judiciaire il y a quelques années, reprise par Emery Jacquia, qui décide d'en faire une entreprise de mobilier en ligne spécialisée sur le Made in France, avec beaucoup, beaucoup. Là, vous voyez une pub sur Raus qui fait 8000 km pour arriver chez vous. C'est une vraie connerie. Un Raus qui vient de Cambrai, ce n'est même pas une bêtise. Donc, revaloriser des Tolix, des plein d'entreprises du territoire qui font aujourd'hui du mobilier, de la literie, etc. Aujourd'hui, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires de la Camif. C'était 46%, je crois, quand il a racheté la Camif. Plus de 80% qui vient de France, au point que l'entreprise a décidé l'an dernier d'arrêter le grand import. Donc, plus aucun produit qui vienne d'ailleurs que de l'Europe. Voilà, et la Camif est à nouveau rentable, à nouveau en lien d'ailleurs avec la Maïf, etc. Donc, c'est un bel exemple, et ça, c'est typiquement un exemple de, non pas d'entreprise native, impact native, mais qui s'est reconstruite autour, qui a reconstruit de la valeur aussi, autour de l'impact. Augustin, je crois que je te laisse la parole ici pour rentrer un peu plus dans le détail du mouvement B Corp. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci d'avoir posé le cadre du moment où nous sommes. Et comme le montre là ce visuel, l'objectif de B Corp, c'est vraiment de faire passer à l'échelle un mouvement d'entreprise qui se bat tous les jours pour essayer de faire venir cette économie, alors qu'on a appelé nous ici économie partenariale par rapport à une économie actionnariale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une économie, ce sont des entreprises qui ont l'objectif de créer de la valeur pour l'ensemble de leurs parties prenantes. Là où, traditionnellement, les entreprises ont eu comme pas seul but, mais principal but, de créer de la valeur pour leurs actionnaires. L'idée de B Corp, ce n'est pas du tout de déconsidérer un actionnaire qui fait partie des parties prenantes, mais simplement de rehausser à un même niveau de considération l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, tous les éléments de la chaîne de valeur, nos fournisseurs, nos distributeurs, etc. Et évidemment, l'environnement. Et donc, ce fil rouge des parties prenantes, vous le retrouvez un petit peu partout dans B Corp, puisque ce qu'on va mesurer, ce que les entreprises B Corp vont faire à travers leur cheminement B Corp et leur transformation, ça va justement être de récompenser et de considérer l'ensemble de leurs parties prenantes. Ce fil rouge, on le voit même jusque dans les statuts de l'entreprise, puisque un des points fondamentaux de B Corp, c'est on demande aux entreprises d'aller jusque dans leur statut et de modifier leur statut pour devenir B Corp. Donc, je vais vous raconter un petit peu quel est ce mouvement, comment est-ce qu'il fonctionne. D'abord, je pense que la première chose qu'il faut, excusez-moi, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est bien plus qu'un label. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que la partie émergée ou la plus connue, ça reste le label, c'est ce petit B que vous voyez de plus en plus sur des produits, des vitrines de magasins, sur des sacs. Je sais que Nature et Découverte
par exemple, a mis le petit logo B sur leur sac en magasin. Mais c'est vrai que c'est un mouvement, c'est une de ces forces aussi, qui va bien au-delà d'un label. Ça commence peut-être par un outil assez incroyable, qui est le B Impact Assessment, le BIA, qui est un outil de mesure et de gestion et de pilotage de son impact, qui est totalement gratuit. Et donc ça, toute entreprise peut y aller, peut l'utiliser dans sa version la plus complète, sans même forcément vouloir aller jusqu'à la certification. Il y a la certification pour les entreprises qui sont peut-être un petit peu plus matures, et encore la certification B Corp. Il ne faut pas le voir comme un graal ou un aboutissement, mais vraiment comme une démarche de progrès continu. Ça, c'est très, très important dans l'univers B Corp. Et puis, tout ça se traduit dans une économie, puisqu'on cherche, nous, à aller beaucoup plus loin que les seules entreprises B Corp. Il y a évidemment une notion de mouvement et de communauté très forte pour les entreprises qui obtiennent le label, mais avec des outils, avec des ressources qu'on construit. L'objectif du mouvement est d'aller bien au-delà et d'essayer de mettre dans le plus de mains possible, ces outils, ces ressources pour aider les entreprises à se transformer et justement à remettre l'ensemble de leurs parties prenantes au cœur de leur stratégie de création de valeur. Et tout ça est porté par une ONG à l'international qui s'appelle B-Lab et qui, comme Elisabeth l'a dit, a été fondée en 2006. Et donc nous avons l'antenne française qui est B-Lab France. Comme dans à peu près, je crois qu'on est présent dans presque 80 pays dans le monde aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est un mouvement qui est porté par une ONG qui est partout dans le monde aujourd'hui. Quelques chiffres sur ce mouvement. Il y a aujourd'hui plus de 5000 B Corp à travers le monde. Ça touche effectivement presque 80 pays. Et dans plus de 150 industries. C'est aussi une des spécificités de ce mouvement, c'est la grande diversité d'entreprises, à la fois en termes de secteur, mais aussi en termes de taille d'entreprise. On a pu avoir mot sur B Corp que c'était un mouvement qui était juste réservé à des TPE-PME, ou plus récemment, on a entendu que c'était un mouvement qui était réservé peut-être que à des très grandes entreprises. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un mouvement et ce sont des outils que vous pouvez utiliser, que vous soyez une petite, moyenne, très grande entreprise, voire une multinationale. Alors évidemment, les enjeux ne sont pas toujours les mêmes, mais les outils sont là pour aider toute entreprise de toute taille et de tout secteur. Et ce que je disais aujourd'hui, nous, un chiffre qui nous parle particulièrement, ce sont le nombre d'organisations qui utilisent ce BIA. Il y en a près de 200 000 dans le monde, presque 10 000 en France aujourd'hui. Et ça, pour nous, ça nous parle, c'est quelque chose qui est très important, puisque peu importe, en fait, cette idée d'aller jusqu'à la certification B Corp, le simple fait de se plonger dans l'outil, on va y revenir un petit peu, et de commencer à mesurer son impact. Elisabeth, tu as parlé de l'importance de mesurer ces choses-là, parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas progresser. Et de le faire avec ce langage commun, vous mettez déjà dans une démarche de progrès sur votre impact social, sociétal et environnemental. Quelques exemples, là encore, à l'international. Donc, vous le voyez encore, hein, cette diversité de profils d'entreprises et de secteurs d'activité. Et on a cette même diversité d'entreprises au sein de notre communauté française. Il y a de belles entreprises. Et je pense que, comme l'a dit Elisabeth aussi tout à l'heure, il y a à la fois des entreprises qui sont nées un peu B Corp, en tout cas qui sont nées avec au cœur de leur stratégie l'impact sociétal et environnemental qu'elles pouvaient avoir sur leurs parties prenantes, et d'autres entreprises qui se sont transformées et qui ont utilisé et qui continuent d'utiliser d'ailleurs le cadre de B Corp pour leur permettre de se transformer. Alors B Corp, comment est-ce qu'on peut le caractériser peut-être en une phrase? C'est un label qui évalue l'impact que produit la totalité d'une organisation. Ce n'est pas un label le produit. Donc, c'est vrai que c'est un symbole que vous verrez peut-être un petit peu moins
sur les produits, même si ça commence à venir. Mais une des raisons à ça, c'est que effectivement, c'est un label qui va évaluer l'ensemble d'une organisation et des pratiques de l'organisation, et pas seulement les produits ou les services qu'elle peut vendre. Il récompense des entreprises qui s'engagent sur trois piliers. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est une capture d'écran d'un profil public d'une entreprise B Corp, et qui traduit bien là les trois principaux critères qu'on peut schématiser pour réussir et obtenir le label B Corp. Le premier, c'est le niveau de performance. C'est sans doute ce qui prend le plus de temps quand on s'engage dans une démarche B Corp. Et c'est ce fameux questionnaire de plus de 200 questions, parfois jusqu'à 400 questions, si vous ouvrez toutes les questions à tiroir, et sur lequel il faut essayer de franchir la barre des 80 points. C'est donc via ce questionnaire, le BIA, que vous mesurez votre impact environnemental et sociétal. Et cette barre des 80 points, elle doit non seulement être franchie dans votre auto-évaluation, mais elle doit être vérifiée par un auditeur, et vous devez maintenir votre total de points au-dessus de 80 points. Le deuxième pilier, c'est l'engagement. J'en ai parlé un tout petit peu juste avant, et cet engagement, il se traduit principalement, en tout cas de manière très concrète, dans la modification des statuts de l'entreprise. Donc, on demande aux entreprises qui deviennent B Corp de modifier leur statut, et notamment avec une phrase qui permet quelque part d'engager l'instance de direction de l'entreprise, puisqu'on demande à cette instance de considérer l'impact de ces décisions sur l'ensemble de ses parties prenantes, y compris l'environnement. Et enfin, il y a une notion très forte de transparence, puisque chaque B Corp doit avoir son profil public, avec son score qui est public, un score qui est aussi détaillé par domaine d'impact, on y reviendra juste après. Et puis, pour les entreprises qui sont filiales d'un grand groupe, d'une maison mère qui elle-même n'est pas encore certifiée, elles doivent aller encore plus loin, puisqu'elles doivent publier l'ensemble de leur questionnaire d'impact sur leur profil public. Donc, il y a vraiment une notion de transparence qui est très, très forte, puisqu'on peut voir les scores d'impact qui sont vérifiés. On peut aussi voir la progression, puisqu'on demande à une entreprise B Corp de se recertifier tous les 3 ans. Donc, on voit aussi l'historique de ses scores et donc sa capacité à progresser, qui est une notion très importante dans B Corp. Si je me plonge un tout petit peu dans l'outil de mesure d'impact, il va sans doute devenir votre nouveau meilleur ami dans votre démarche de transformation de l'entreprise. Pour plein de raisons, c'est vrai que c'est un vrai trésor, cet outil. D'abord, il est totalement gratuit, il est non engageant dans le sens où vous pouvez prendre votre temps. Et je pense que c'est important de prendre son temps quand on se lance dans ce type de démarche. Donc, vous n'avez pas de date couperet, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous le voulez, en vous fixant des objectifs dans le temps. C'est un outil qui est objectif dans le sens où voilà, vous avez un référentiel commun, un langage commun face à quel vous pouvez vous mesurer. Vous pouvez même faire des comparaisons avec d'autres entreprises de taille et de secteurs similaires. C'est un outil aussi qui s'adapte à votre secteur et à votre taille d'entreprise. Et je pense que moi, un élément qui me séduit le plus dans cet outil, c'est qu'il est résolument positif. C'est vrai que c'est un parti pris de la part de B Corp, mais c'est un outil qui vient chercher à valoriser tout ce que vous faites de positif. Donc, ce n'est pas un outil sur lequel vous pouvez perdre des points pour des pratiques négatives. Il y a quand même toute une partie qui s'appelle le questionnaire de divulgation, où on va quand même évaluer vos risques, mais la partie sur laquelle vous pouvez marquer des points et donc progresser, elle vient vraiment valoriser toutes les pratiques positives que vous avez mises en place. Et donc, c'est vrai que c'est un outil qui est inspirant, qui est motivant pour les équipes qui s'y frottent. Comment est-ce qu'il fonctionne, cet outil ? Et je pense que là, on voit très clairement ce dont Elisabeth parlait tout à l'heure sur le fameux RSE 1.0 et le RSE 2.0, où cette transition du less bad au more good, la partie notée du coup du BIA,
là où on va chercher ces 80 points. Elle se concentre autour de 5 domaines d'impact ou de 5 grandes familles de parties prenantes, la gouvernance, les collaborateurs, les clients, l'environnement et la collectivité. Dans la partie collectivité, c'est là où vous retrouvez tous les éléments qui touchent à votre chaîne de valeur. Mais à travers ces 5 familles d'impact, il y a toujours deux niveaux de questions. Vous avez des impacts opérationnels, et donc là, on est plutôt dans des critères de mesure que vous pouvez retrouver dans des démarches RSE un peu traditionnelles. Et puis, vous avez les modèles d'affaires impact et les IBM en anglais pour Impact Business Model, quelque chose qui est très, très particulier à B Corp. Et c'est ça qui permet notamment de traduire toute cette notion de comment est-ce que je mets une politique RSE vraiment au cœur de la stratégie de mon entreprise, au cœur de son modèle d'affaires. Et c'est vrai que ça, c'est une notion qui est très intéressante dans B Corp, puisqu'elle va vraiment au cœur du produit ou du service que vend l'entreprise, au cœur du public cible qu'elle cherche à servir. On va jusqu'à mesurer la part d'éventuels produits ou de services dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est très fort dans B Corp, qui est assez particulier. C'est pour ça que nous, on aime moyennement la case, entre guillemets, RSE, ou en tout cas, on aime bien cette notion de RSE 2.0, puisqu'on ne reste pas que dans les impacts opérationnels. On va vraiment au cœur du modèle d'affaires. C'est un véritable levier de transformation aussi pour les entreprises. Parce que c'est en allant évidemment au cœur de leur modèle d'affaires, au cœur du produit ou du service qu'elles vendent, qu'elles vont interroger un certain nombre de choses et se transformer en profondeur. Ça touche évidemment aussi à toutes les questions de raison d'être de l'entreprise, de société à mission. Je pense qu'on en reparlera juste après aussi. Si on rentre un tout petit peu dans le détail sans forcément aller trop loin, parce que sinon on en a pour des heures et des heures, mais qu'est-ce qui est regardé dans ces grandes familles d'impact, ces domaines d'impact? Dans la partie gouvernance, c'est là où vous retrouvez effectivement tout ce qui touche à la mission et à l'engagement. Comment est-ce que cette fameuse raison d'être et les missions qui en découlent sont traduites dans l'entreprise? Est-ce qu'une part de rémunération, en tout cas de la performance des équipes de direction, sont liées à ça? Il y a des notions d'éthique et de transparence. Et puis, c'est là aussi où on va récolter un certain nombre d'informations concernant votre bilan comptable. Dans la partie des collaborateurs, on va regarder toutes les politiques de rémunération, d'écart aussi de rémunération, de santé et de bien-être de nos collaborateurs. Est-ce que vous arrivez aussi à développer et à engager vos collaborateurs tout au long de leur vie au sein de l'entreprise? Et est-ce que surtout vous mesurez ça? Ça, c'est quelque chose qui est très important dans B Corp. On vous demande vraiment de mesurer, de piloter et d'agir sur l'ensemble des pratiques que vous mettez en place. Dans la partie collectivité, elle est très intéressante, cette partie. Elle est peut-être moyennement traduite en français, puisque le mot en version originale, c'est « community ». Mais elle va regrouper un certain nombre de choses, d'abord sur des sujets de diversité et d'inclusion. Donc, même s'il y a un certain nombre de choses qu'on peut pas mesurer en France et en Europe, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire sur ces sujets-là en interne au sein de l'entreprise. Et puis, pardon, c'est là aussi où vous retrouverez tous les éléments qui touchent à votre chaîne de valeur, vos pratiques fournisseurs et comment est-ce que vous vous comportez quelque part en tant qu'entreprise citoyenne avec l'ensemble de vos de cette chaîne de valeur à un niveau local notamment. Donc c'est là où vous retrouvez pas mal de ces enjeux-là. Il y a une partie assez conséquente enfin sur l'environnement et je dirais peut-être sur deux niveaux. D'abord, on va regarder quel est le système de gestion environnementale un peu globale que vous avez mis en place. Qu'est-ce que vous mesurez, qu'est-ce que vous pilotez sur cet enjeu-là? Et puis ensuite, on va y aller plutôt domaine par domaine. Donc, quels sont vos impacts en termes d'air et de climat? C'est là où vous retrouverez toutes les questions de bilan carbone notamment et de trajectoire carbone. Comment est-ce que vous gérez votre utilisation de l'eau? Et puis, votre impact sur la terre et vie, la biodiversité, notamment en termes de déchets
Mais c'est une grosse partie sur l'environnement. Et enfin, la partie client qui est peut-être un tout petit peu plus, un peu moins fournie parce qu'elle est plus récente notamment. En revanche, la partie client, elle se remplit très vite. Et donc, ce que vous voyez juste en dessous en gras, ce sont ces fameux modèles d'affaires impact, les IBM. Il y en a plus d'une vingtaine dans le questionnaire B Corp qu'on peut essayer d'aller activer. Et comme ce sont des éléments qui touchent au cœur de la stratégie de l'entreprise, donc qui sont beaucoup plus matériels pour l'entreprise, c'est souvent sur ces IBM que vous allez chercher des points de manière beaucoup plus importante que sur les impacts opérationnels. Les impacts opérationnels, vous grappillez des points 0,2 points, 0,3 points par-ci, par-là. Quand vous commencez à actionner des modèles d'affaires impact, vous commencez à scorer plus de points. Après, c'est beaucoup plus difficile d'aller actionner des modèles d'affaires impact puisqu'ils doivent être vraiment au cœur de l'entreprise. Ça doit être des éléments qui sont vraiment structurants, matériels pour l'entreprise. Et vous en avez donc sur les cinq grandes familles d'impact. Je ne rentre pas forcément dans le détail là parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais vous avez quand même une vue d'ensemble sur qu'est-ce qu'on mesure dans ce BIA. B Corp, c'est un mouvement qui est très connecté à d'autres référentiels, à d'autres mouvements. On a vraiment cette volonté de créer un maximum de ponts. On sait qu'on tire tous dans le même sens. Et donc, l'outil est très connecté aussi aux objectifs de développement durable pour celles et ceux qui utilisent cette grille de lecture. En remplissant votre BIA, vous avez automatiquement une certaine contribution aux objectifs de développement durable qui se remplit aussi. Donc ça, c'est une vision qui est intéressante et que vous pouvez ressortir grâce à ce questionnaire. Et puis, le questionnaire, il est bâti aussi sur un certain nombre de référentiels, de normes internationales qui sont consolidées dans le BIA. Donc, si vous avez un certain nombre de certifications sur des normes ISO ou voire d'autres labels, ils sont reconnus dans le questionnaire. On essaye en tout cas d'intégrer un maximum de normes et de référentiels existants dans le questionnaire pour vous permettre justement de valoriser ces pratiques-là. Et enfin, avant de te repasser la main, Elisabeth, quelques chiffres un peu intéressants sur B Corp et sur l'utilisation de l'outil qui est le BIA. J'ai parlé de la fameuse barre des 80 points. Il faut savoir que le score moyen des entreprises qui ont terminé un BIA, c'est-à-dire qui ont rempli la totalité du questionnaire, il se situe autour de 50 à 55 points. Donc 80 points, c'est assez largement au-dessus de la moyenne. Il faut être très bon pour franchir la barre des 80 points. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de limite de points, on peut souvent parler d'un plafond à peu près 200 points. Je crois que la B Corp dans le monde qui a le maximum de points, elle est à 170 points. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment un potentiel aussi de progrès qui est immense. Donc même quand on est B Corp et qu'on a franchi la barre des 80 points, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour continuer à transformer son entreprise. Le score moyen des B Corp en France, il est à 91 points et le score le plus élevé d'une B Corp française, il se situe à 137 points. C'est une B Corp qui vient d'obtenir sa troisième recertification qui s'appelle AirCop, qui est une coopérative d'indépendants et de consultants qui se situe notamment à Annecy. Et puis, quelques chiffres sur la dynamique autour du mouvement. En 2021, le nombre de nouvelles sessions BIA qui ont été créées par jour en France, il est à 15. Donc, vraiment, il y a une dynamique qui est très forte. Je crois qu'il était à 10 l'année d'avant. Donc, on voit la croissance d'intérêt et la dynamique autour de l'outil. Le nombre de dépôts de dossiers de BIA, donc pour celles et ceux qui veulent aller jusqu'à la certification, il a été sur toute l'année dernière d'à peu près 4 par semaine. On a aujourd'hui à peu près 250 entreprises qui sont en attente d'audit, donc c'est-à-dire que sur leur auto-évaluation, elles ont franchi la barre des 80 points et elles sont désormais en attente. Et le taux de réussite des entreprises à l'audit, il est à peu près 50%. Donc, même une fois que vous avez franchi la difficile barre des 80 points sur votre auto-évaluation, il reste encore l'audit qui est difficile, qui est très minutieux. Et c'est vrai qu'il faut être en capacité de prouver, de documenter tout ce que vous dites dans votre questionnaire.
Si on se centre vraiment sur B Corp et sur les différentes étapes jusqu'à la certification, j'ai parlé là de toute la partie 1, c'est-à-dire évaluer son impact grâce au BIA. Il faut modifier les statuts de l'entreprise, ça j'en ai parlé aussi. Ça, c'est vraiment un élément qui est hyper important, qui est très connecté à la loi PACTE. Je pourrais répondre à des questions s'il y a des questions sur la loi PACTE. Mais donc, si vous avez une raison d'être, vous avez quelque part fait une partie du chemin pour aller jusqu'à la société à mission. Et donc, cette raison d'être, elle peut faire partie de cette fameuse modification des statuts que vous allez faire pour l'entreprise. Vous devez donc confirmer votre score au-dessus de 80 points au cours d'un audit, régler les frais de certification, j'en parlerai juste après, sur 3 ans, puisque la certification, elle dure 3 ans. Célébrer et rejoindre une communauté. C'est un moment fort, symbolique, qui est souvent empreint de fierté pour les entreprises qui réussissent ce difficile parcours. Et puis enfin, l'obtention du label B Corp, c'est jamais la ligne d'arrivée, parce qu'il faut se recertifier tous les 3 ans et que vraiment, c'est au cœur de la philosophie du mouvement, cette idée de progresser encore et toujours. Il y a toujours des choses à aller chercher, des pratiques à aller améliorer. Et c'est pour ça aussi que la communauté B Corp est un élément central de cette certification et de ce mouvement. Il y a beaucoup d'entraide et de partage de pratiques au sein des entreprises. Et puis, certaines entreprises aiment bien se challenger, se bousculer aussi un petit peu pour justement se rendre meilleur à chaque recertification notamment. Donc, vraiment, l'idée de progression, elle est très importante. Si on rentre vraiment dans le très pratique, je rentrerai pas dans le détail, et puis je pense que vous aurez accès au slide, mais il y a des frais de certification, du coup, pour celles et ceux qui vont jusqu'à l'audit. Il y a une petite partie, c'est-à-dire un des frais d'engagement au moment où vous soumettez votre questionnaire pour l'audit. Donc, vous pouvez, tant que vous n'avez pas soumis votre questionnaire, vous pouvez continuer à utiliser l'outil de manière totalement gratuite. Et puis, une fois que vous soumettez votre questionnaire, c'est-à-dire que vous rentrez dans le processus d'audit, on vous demande des frais d'engagement en fonction de votre chiffre d'affaires. Et puis ensuite, vous avez des frais de certification, en tout cas d'adhésion au mouvement, une fois que vous avez réussi votre audit. Et c'est qu'une fois que vous avez réussi votre audit. Et là encore, en fonction du chiffre d'affaires, ça démarre donc à 2 000 euros par an, et puis ça peut aller jusqu'à 50 000 euros par an pour des entreprises qui sont plutôt autour de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, j'ai parlé de mouvement, parce que justement, notre mission, c'est d'aller bien au-delà des seules entreprises labellisées B Corp et de s'appuyer sur toutes les forces et tous les acteurs de notre économie. Donc, c'est à la fois les universités, les écoles, les enseignants, les étudiants, hein, qui sont les futurs dirigeants, dirigeantes de demain, sont celles et ceux qui vont prendre ces décisions et engager les stratégies de leurs entreprises, mais aussi, hyper important, de pouvoir s'appuyer sur des collectivités territoriales, des réseaux d'entreprises. Il y a pas mal de programmes qui ont été mis en place dans les différentes sphères du mouvement à l'international pour essayer justement d'embarquer des écosystèmes régionaux autour, pas seulement de la certification B Corp, mais de toutes ces ressources autour des entreprises à impact et de la mesure et de la gestion de son impact social, sociétal et environnemental. Et je crois que c'est à ce moment-là, Elisabeth, que je te repasse la main pour conclure. Oui, absolument. Merci, Augustin. Je vais être assez rapide parce qu'on a pris un peu de retard et on voudrait laisser du temps pour les questions. Augustin a parlé des ponts, enfin du souci de B Corp de faire des ponts avec d'autres, avec tous les mouvements en fait, qui vont dans le même sens. Et en particulier, comme j'avais mentionné la société à mission, on voulait faire un petit focus là-dessus, c'est-à-dire préciser que la certification B Corp et la société à mission sont deux choses différentes, qui sont parfaitement compatibles, qui répondent à un même objectif de transformation du capitalisme et de redéfinition du rôle de l'entreprise, avec l'idée que les entreprises doivent se transformer pour contribuer à transformer la société et la planète, autour notamment de l'idée de raison d'être, et à condition que cette idée de mission de raison d'être soit non seulement formulée, mais surtout incarnée
dans l'ensemble de ce qui est fait ensuite, c'est-à-dire les recrutements, les formations, la gouvernance, j'en sais rien, les schémas de bonus ou les objectifs et bonus pour les cadres, les dirigeants ou tout le monde d'ailleurs. Et finalement, l'enjeu commun des deux démarches, c'est de lutter contre le greenwashing, c'est-à-dire une situation où il y aurait une déclaration d'intention affichée, mais qui ne soit pas traduite au quotidien dans le pilotage stratégique, dans la gouvernance, dans les moyens que se donne l'entreprise, dans son offre, dans son modèle économique, etc. Si on passe à la slide suivante, c'est assez, assez clair. Augustin a dit, ou je le redis, mais que si vous êtes société à mission, alors vous avez en réalité trois contraintes. La première, c'est de mettre dans vos statuts, pour devenir société à mission, vous inscrivez dans vos statuts votre raison d'être et des grands objectifs associés. Une fois que vous avez fait ça, vous obtenez la qualité juridique de société à mission et vous avez l'obligation derrière de créer un comité de mission qui est souvent composé de parties prenantes externes et internes qui va se réunir plusieurs fois dans l'année et une fois par an produit le rapport du comité de mission qui dit en gros voilà notre regard externe sur la façon dont l'entreprise atteint ou pas sa mission, se met en chemin ou pas vers la mission statutaire et les objectifs qu'elle s'est donnée. En plus de ça, il y a l'obligation pour la société à mission de faire un audit par un organisme tiers indépendant, donc KPMG, etc., tous les deux ou trois ans, selon la taille de l'entreprise, sur les sur les objectifs en question et sur la mission. Donc, les deux sujets sont complémentaires. Il y a l'auditeur qui regarde un peu les chiffres et puis le comité de mission qui regarde est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce qu'il y a des angles morts, est-ce qu'il y a des oublis, est-ce qu'il y a des choses qui ne nous paraissent pas très pertinentes dans la mission, les objectifs, etc. Donc, c'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir et si vous êtes société à mission, alors d'emblée, dans le BIA, qui est donc le questionnaire Bicorp gratuit dont Augustin a parlé, vous gagnez 10 points d'emblée sur une question ou un item qui s'appelle Mission Locked. Ça veut dire que la mission, elle est vraiment verrouillée, j'allais dire, dans l'ADN de l'entreprise. Mais donc, c'est différent. Il y a une qualité juridique d'un côté, un label indépendant et international de l'autre. Ah oui, l'autre chose, c'est que j'ai dit tout à l'heure que la loi PAC s'inscrivait dans un mouvement mondial, mais c'est une qualité juridique, qui est propre au droit français. Autrement dit, il n'y a pas de reconnaissance si vous sortez des frontières. Donc, c'est vrai que pour les entreprises qui sont à la fois françaises, leur siège social est en France, mais qui sont présentes à l'international, la combinaison des deux est intéressante. Il y a aussi une différence de logique. Dans la société à mission, on a plutôt quelque chose d'assez top-down, c'est-à-dire on commence par changer les statuts de la maison mère, du siège social, etc. Et ensuite, d'une certaine façon, tout ça cascade sur les pratiques, la gouvernance, les moyens, l'offre, etc. Là où, dans le cas de Bicorp, on a souvent une démarche un peu inverse, d'abord, qui n'est pas a priori, mais a posteriori, puisqu'il faut d'abord atteindre un niveau de performance, alors que pour devenir société à mission, je l'ai dit, vous mettez juste, j'allais dire, ce n'est pas toujours simple, mais vous définissez votre raison d'être, vous mettez ça avec des objectifs dans vos statuts, et vous avez la qualité qui vous est accordée a priori, à charge pour vous de respecter les obligations dont j'ai parlé. Dans le cas de Bicorp, c'est un peu différent, il faut d'abord atteindre un niveau de performance minimale, les 80 points sur 200 dont Augustin a parlé, pour prétendre à la certification Bicorp. Et ensuite, il y a aussi, je crois que quelqu'un a posé la question dans le chat, un audit qui est fait. La certification, vous la repassez tous les 3 ans. Donc, c'est aussi une certification assez entrepreneuriale par rapport à d'autres qui sont tous les ans, parce que quand vous avez une certification tous les ans, en gros, vous passez votre vie à mesurer, remplir le questionnaire et recommencer. Et finalement, vous n'avez pas le temps de progresser significativement entre deux certifications. Dans le cas de Bicorp, c'est tous les 3 ans, ça laisse le temps de vraiment progresser entre deux certifications. Et on a intérêt à progresser puisque le questionnaire lui-même monte en exigence tous les 3 ans. Autrement dit, entre deux certifications, si vous ne progressez pas, vous régressez mathématiquement dans le nombre de points. Donc, c'est aussi intéressant de voir, là, dans le livre « La révolution Bicorp » qu'on publie avec Bilab la semaine prochaine, on a interviewé une trentaine de patrons d'entreprises et ils disent tous, quand on n'est pas certifié, on a l'impression que c'est la certification l'objectif
et on va le voir peut-être dans la table ronde, mais quand on est certifié, on se rend compte qu'en fait, non, c'est la certification, c'est le début de quelque chose qui est une démarche de progrès, parce qu'il y a cette stimulation qu'apporte le questionnaire, le fait que la barre monte, si j'allais dire, au fil des certifications. Et par ailleurs, il y a le soutien et l'émulation qui naît de l'aspect plus communauté des entreprises certifiées. Donc, il y a vraiment des complémentarités entre Société à Mission et Bilab, autour notamment de l'ancrage de la mission, de la raison d'être au cœur de l'entreprise et de son ADN, autour de cette idée qu'une mission, une raison d'être suspendue en l'air, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que ça soit traduit au quotidien et incarné au quotidien de l'activité, et notamment dans l'offre et dans le modèle économique, Augustin l'a rappelé. La question évidemment de l'engagement des parties prenantes internes et externes est absolument cruciale. Elle est cruciale dans lequel il y a plusieurs volets consacrés à ça dans le BIA, et évidemment avec le comité de mission dans la loi PACTE, on demande aussi à l'entreprise d'entamer ce dialogue structurant avec les parties prenantes sur sa performance, sur sa mission, sur sa démarche de progrès, etc. Et on peut se dire même, pour les entreprises cotées, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans l'audience aujourd'hui, mais les entreprises cotées se sont beaucoup posé la question, notamment après le départ d'Emmanuel Faber de chez Danone, de « oh là là, mais est-ce qu'en fait, quand on s'engage dans ces démarches-là, ça ne crée pas plus de risques finalement qu'autre chose ?» Et en fait, moi, je pense assez l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, juridiquement, c'est déjà possible de mettre en cause des dirigeants ou des administrateurs d'une société, y compris cotée, pour inaction climatique ou défaut de prise en compte, défaut de vigilance sur ces sujets qui sont aussi des risques pour les entreprises. D'une certaine façon, le fait de s'engager dans la société à mission et dans la certification B Corp, c'est une façon de prouver que l'entreprise a mobilisé les moyens, les réunions, les moyens financiers, etc., l'attention des dirigeants sur ces sujets. Beaucoup plus que l'inverse, à mon sens. Alors, on va peut-être sans transition passer aux deux témoignages. Je remercie Bertrand et Fabien d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement. Donc, Fabien, vous êtes le CEO de, je ne sais pas si on prononce en français ou en anglais d'ailleurs, 17 Sports ou 17 Sports, qui est B Corp depuis février dernier. Bravo. Vous êtes une entreprise de conseil en transformation responsable pour le secteur du sport, au sens large, hein, si j'ai bien compris, les athlètes, les infrastructures, les marques. Et Bertrand Bailly, vous êtes CEO de Davidson, qui est B Corp depuis 2018. Donc vous avez recertifié déjà une fois, alors j'imagine, en 2018. On a recertifié en fin d'année dernière, oui. Félicitations. Conseil en transformation digitale, une boîte plus importante, hein, avec 3000 collaborateurs. Donc, je ne sais pas combien vous avez de personnes, Fabien. On est une petite équipe puisqu'on est 25 aujourd'hui. Voilà, bah super. Donc, ça fait deux tailles d'entreprises différentes. C'est hyper intéressant du coup de vous avoir tous les deux. Je vous remercie d'être là. Peut-être une première question pour vous deux, et vous répondez dans l'ordre qui vous convient. Peut-être déjà présenter un peu plus vos entreprises que ce que j'ai dit, et rappeler pourquoi, dans quelle histoire ça s'est inscrit pour vous, la décision de devenir B Corp. Peut-être Fabien pour commencer, Bertrand ensuite. Allez, avec plaisir. Merci déjà Augustin et Elisabeth pour votre présentation ce matin. Nous, c'est vrai que 17 Sports a vraiment été créé en décembre 2019 pour répondre à un problème et pour accélérer, je dirais, cette transformation de l'industrie du sport justement comme une force du changement positif. Aujourd'hui, notre métier premier, c'est vraiment de permettre aux organisations, aux entreprises, je dirais, d'accélérer leur transformation et activer leur raison d'être à travers le sport, en interne ou à l'externe, dans le but de pouvoir justement délivrer des retombées financières, sociales ou environnementales positives. Le nom 17 Sports fait référence aux 17 SDG, évidemment, et aussi à l'objectif 17 qui est autour des partenariats, parce qu'on a cette conviction en interne que la collaboration, je dirais, doit primer sur la compétition et qu'elle est essentielle aujourd'hui pour adresser les enjeux auxquels on fait face. Et de là, en fait, de cette conviction est venu notre engagement justement à vouloir agir ensemble et à vouloir rejoindre la communauté B Corp, en rejoignant vraiment des acteurs du changement pour accélérer justement cette transformation et ce changement positif, et montrer aussi qu'il est possible d'associer performance financière et impact positif. Montrer que ce n'est pas juste deux idées impossibles, et c'est aujourd'hui notre raison d'être, et on est au cœur de toutes les décisions qu'on prend au quotidien, évidemment. Merci. Bertrand, de votre côté?
Oui, alors bonjour à tous déjà, et merci pour l'invitation. Alors nous c'est un petit peu différent. On a été créé il y a 17 ans, enfin j'ai créé il y a 17 ans avec quelques copains. On était très auto-centrés, nous, au départ. Dans le monde du service, on voulait travailler d'abord sur le bien-être des collaborateurs. Et dans ces collaborateurs, il y avait nous, hein. C'est-à-dire qu'on avait envie de faire une société dans laquelle il était bon de travailler et bon de patronner aussi. Donc, on s'est créé un petit cocon d'ambiance sympa, donc très, très égoïstement. Et puis, il est venu un temps où on s'est dit que c'était bien d'être auto-centré, mais se décentrer, ça pouvait être sympa aussi. Donc bon, très concrètement, ça veut dire qu'il y a eu un réveil, pas seulement écologique, il y a eu un réveil autour de l'impact de manière générale. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer de penser qu'à nous et qu'il fallait qu'on élargisse notre champ d'action, donc qu'on soit davantage écosystémique. C'est bien l'histoire qu'on raconte maintenant depuis une heure. C'est de travailler avec l'ensemble de nos tiers parties et sur l'ensemble de nos externalités pour minimiser les négatives et maximiser les positives. Et donc, après avoir travaillé un outil qui était Great Place to Work, qui est un bon outil pour le bien-être des collaborateurs, on en a cherché un autre. Et ça faisait quelques années qu'on suivait l'aventure des B Corp US. Donc, assez naturellement, l'été 2017, au bord de la piscine de mes parents, j'ai commencé à remplir le BIA. Et là, j'ai découvert qu'il y avait effectivement un autre monde qu'on ignorait trop fort, sans doute. Et on est parti dans la démarche. Enfin, moi, j'ai présenté cette idée à mes associés, à certains collaborateurs, qui avait, je pense, improvisé jusqu'à l'accord de les projets Great Place to Work. Bon, on le voit d'ailleurs dans notre score sur la partie gouvernance, gestion des collaborateurs. On a un petit capital, un petit embarqué sympa. Mais donc, évidemment, notre objectif, c'était de progresser sur tout le reste, la partie climat-environnement, la partie collectivité, la partie client, voilà, qui étaient des horizons nouveaux pour nous. Donc, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on l'a fait, notre approche au début était très, très orientée questionnaire et BIA. Et puis ensuite, évidemment, on a basculé dans une vraie démarche d'impact qui dépasse le cadre strict du questionnaire. Super. Est-ce qu'on peut parler pour l'un et l'autre, à nouveau peut-être du coup Bertrand et Fabien ensuite. Qu'est-ce que… aujourd'hui, avec le recul, et c'est pour ça que je commence par toi, Bertrand, parce que vous avez un peu plus de recul peut-être que Fabien, mais qui pourra quand même nous donner son avis sur ce que d'emblée la certification, l'appartenance à la communauté vous ont apporté ou vous apportent aujourd'hui, à la fois en interne et en externe. Peut-être, je parlais tout à l'heure d'émulation, de cadrage, de structuration, d'idées peut-être aussi, d'envie. Ouais, alors c'est pas immodeste, hein, mais on va en fait assez peu chercher des idées parce que historiquement, on pense toujours qu'il faut faire des choses qui collent vraiment à nous, donc pas faire du copier-coller. En revanche, en termes de prise d'infos, prise de connaissances, c'est monstrueux. Voilà, je le disais, alors là, pour le coup, modestement, tout à l'heure, sur des sujets d'impact sociétal, social, environnemental, on n'était vraiment pas les meilleurs. Et accéder à de l'info, voir comment les autres se comportent, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça nous donne un puits de connaissances. Et à partir de là, tout le boulot, c'est de matcher ça à notre culture d'entreprise pour déterminer nos projets à nous. Et ce qui est génial, d'ailleurs, je termine là-dessus, c'est que l'intégration de cette dynamique B Corp dans l'entreprise, elle a permis à des gens nouveaux d'émerger, qu'on ne voyait pas avant sur d'autres sujets. Parce que bien sûr, dans le monde de demain et d'aujourd'hui même, il faut que tous, on se mette à faire vibrer nos cordes sensibles sur ces sujets-là. Maintenant, en réalité, tout le monde n'est pas aujourd'hui dans le même état de sidération et d'action sur le sujet. Donc, ça a permis à tout un tas de gens qu'on ne voyait pas trop d'exister très fort et justement de lancer des projets complètement différents et nouveaux dans la société. Fabien, de votre côté ? Oui, pour rebondir sur ce que dit Bertrand, c'est vrai, vous le disiez, Elisabeth, tout à l'heure, devenir B Corp est surtout pas une destination finale, je dirais, mais c'est un vrai point de départ. Donc, il y a une vraie démarche de progrès qu'on aborde avec beaucoup d'humilité, évidemment, dans la durée. En interne, c'est vrai que ça a été un vrai, et ça l'est au quotidien, un vrai driver d'engagement.
Outre la notion de fierté d'appartenance à une Bicorp, il y a une vraie, c'est une vraie aventure humaine qui mobilise l'ensemble des collaborateurs. Et c'est vrai que ça, effectivement, il y a derrière ça un moyen d'éduquer les gens, de les sensibiliser, de leur montrer de quoi il s'agit pour que ça soit concret. Et quelque part, ça participe, comme le disait Bertrand, à révéler certaines personnalités dans l'entreprise, en tout cas avec des personnes qui, je dirais, s'élèvent pour vouloir vraiment être proactif, prendre des sujets, prendre des projets en main. Et c'est intéressant de voir que c'est un driver d'engagement en interne. Et puis en même temps, évidemment, ça participe à nourrir les collaborateurs, à les faire grandir, à développer, je pense, leur sens critique. On le voit, puisqu'il y a une challenge. Quand on présente des opportunités, des projets, il y a toujours cette réflexion et ce comment on revient justement à nos KPI, à Bicorp et à ce que l'on est. Et donc, je pense que c'est forcément un driver d'amélioration au quotidien pour l'organisation. Et puis à l'externe, l'ensemble de nos partenaires, s'il y a une vraie reconnaissance de l'authenticité de la démarche. Et c'est vrai que pour nous, Bicorp est juste un point de départ, je le disais, même si dès le premier jour, on avait cette mission en tête. On a vraiment créé cette organisation pour résoudre un problème. Donc, c'était vraiment ce qui nous animait dès le premier jour. Mais c'est vrai qu'à l'externe, ça renforce en tout cas la démarche que l'on porte avec cet objectif de servir un objectif qui est bien plus gros, bien plus large que le nôtre, puisqu'on se veut être un catalyseur ou un facilitateur, en tout cas, une force pour vraiment apporter ce changement. OK. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous donner des exemples de choses que vous avez changées, transformées dans vos pratiques internes, j'en sais rien, dans le modèle économique, dans l'offre, dans la gouvernance, dans les pratiques vis-à-vis des fournisseurs. Alors, dans le cas de Bertrand, peut-être depuis que vous êtes certifié Bicorp, engagé dans la démarche, peut-être entre les deux certifications. Et puis, dans le cas de Fabien, peut-être en remplissant le BIAP pour atteindre les 80 points. Je ne sais pas à combien vous êtes de points chacun, d'ailleurs. On peut peut-être en… Nous, on est à 82. D'accord. Alors, est-ce que vous avez dû changer des choses, du coup, atteindre ces 82? C'est vrai qu'on était, on n'était pas assez vieux pour, au départ, demander la certification. Donc, on est passé par le B Corp Pending. Et pendant un an, on a construit justement aussi l'organisation. Il y a un statut pour les entreprises en création, qui ont moins d'un an. Absolument. Donc, on a créé, je dirais, l'entreprise à travers le framework du BIA. Donc, il n'y a pas eu besoin d'énormément de changements. Ça a été plus pour nous un guide pour vraiment construire l'organisation en fonction justement du BIA. Mais c'est vrai qu'on a adopté un certain nombre de pratiques depuis, avec la mise en place d'une travel policy pour tous nos collaborateurs qui voyagent, de manière à leur apporter des solutions pour qu'elles contribuent justement à avoir un impact positif d'un point de vue environnemental. On finance un projet de reforestation au Congo. Et puis surtout, on récompense aussi nos collaborateurs, pas uniquement pour leur performance financière, mais aussi pour l'impact qu'ils génèrent dans le cadre justement de leurs activités. Il y a un programme de volontariat en interne. Et évidemment, c'est sur leur temps de travail et ils sont aussi rémunérés pour l'impact positif qu'ils génèrent, qu'on vient mesurer. Donc, c'est des choses qu'on fait en interne qui nous poussent à aller encore plus loin. OK, Bertrand, de votre côté, entre les deux certifications, vous disiez… En fait, ça vous avait amené aussi à regarder un peu plus l'engagement externe. Oui, chaque question du BIA cache une possibilité de transformation. Hein. C'est tentaculaire, en vrai. Je vais quand même dire un truc, c'est que la période 2018-2021 n'a quand même pas été la plus favorable. Tu citais la crise Covid qui a fait 7% de carbone en moins, notamment lié à l'arrêt des déplacements, etc. C'est très bien. Par contre, nous, ça a quand même un peu stressé toute l'entreprise. Et il y a quelques mois où on était plus en gestion de crise et logistique de masques que dans des projets de fonds, hein, faut pas se mentir. Nous, le gros moment de transformation, c'est maintenant. Je pense qu'on commence à mûrir et donc on a engagé des transformations. Alors, il y en a sur tous les axes. Je vais en citer une dans chaque domaine pour ne pas spammer la réunion. Mais grosso modo, sur la partie client, par exemple, tu parlais d'ODD tout à l'heure, des objectifs de développement durable. Nous, on a commencé la comptabilité ODD de toutes nos missions. Alors, il y a une comptabilité qui est simple. On ne travaille plus dans l'armement, par exemple. Merci, Bicorp. Donc, ça, on ne compte plus ces missions-là. Mais en revanche, on a commencé à catégoriser toutes nos interventions suivant les 17 ODD.
et on a créé une grille de scoring pour pouvoir évaluer la qualité de notre portefeuille de missions, puisque nous, on réalise des missions pour des entreprises. Donc, en fonction du secteur du client et en fonction de la nature même du projet chez le client, on a créé une matrice qui permet d'évaluer et de mesurer le poids de notre portefeuille au niveau ODD. Et bien sûr, on veut augmenter son poids dans le sens positif tous les ans. On était pas mal en gouvernance. Néanmoins, on a ouvert le CODIR à l'ensemble des collaborateurs. Le comité de direction annuel est ouvert à tous les collaborateurs. On propose aux gens de s'inscrire. Alors, il y a 5 places, mais les 5 premiers motivés à inscrire peuvent chaque année venir dans le comité de direction. Comme ça, on est certain que tous les sujets sont entendus. Tous les 6 mois, on fait aussi… Alors, tous nos collaborateurs remontent des idées. On a une grosse culture boîte à idées, notamment à travers les bilans d'évolution. Tous les 6 mois, c'est le 15 juin, c'est demain l'occasion. On fait la synthèse de plusieurs centaines d'idées qui sont montées par les collaborateurs. Et face à chaque idée, on dit si c'est go ou no go, on explique pourquoi. Donc, moi, demain, j'ai un point d'une heure où je vais scanner… Les 50 idées les plus remontées de tous les collaborateurs, et je leur dis à chaque fois pourquoi on y va, pourquoi on n'y va pas. Donc, la gouvernance a atteint des niveaux de transparence, je pense, plutôt cool. Sur la partie environnement, à l'occasion de la première certif, on avait lancé notre premier bilan carbone. On s'était dit que c'était dans l'air du temps. On avait découvert le bilan carbone Scope 1, 2, 3 quand même pour la première certif. Pour fêter la deuxième, on est parti en démarche ACT avec l'ADEME. Donc, on fait un bilan carbone, on va dire plus, qui fait un peu plus mal et qui compte beaucoup plus large et qui, du coup, génère beaucoup plus de projets. On s'est aussi lancé dans la contribution. On donne 4 pour 1000 de notre chiffre d'affaires à la contribution carbone avec un partenaire qui est Planète Urgence. Donc, cette année, on va planter 1,5 million d'arbres pour contribuer à hauteur de nos 12 000 tonnes équivalent CO2 émis 3 scopes. Et puis enfin, sur la partie sociale, sociétale, environnementale, je peux aussi donner un exemple. On a déployé une plateforme de bénévolat. Donc, depuis le mois dernier, tous nos salariés ont 3 jours de temps libre par an pour des actions de bénévolat. Donc, on a, à travers une plateforme dédiée, identifié 150 associations. Et si nos collaborateurs veulent donner du temps à ces associations, du temps de travail, on leur donne 3 jours de temps de travail, donc 3 jours de congé, pas tout à fait congé, mais pour faire ça, qui s'ajoute d'ailleurs au congé solidaire qu'on avait mis en place avec Planète Urgence aussi. Donc, ils peuvent faire 3 semaines de congé solidaire par an, plus 3 jours de temps de travail pour le bénévolat et les associations qui, d'ailleurs, pour certaines, sont des assos historiques et pour d'autres, sont complètement nouvelles. Voilà quelques exemples. Ah, on ne t'entend plus, tu es micro coupé, Elisabeth. Pardon, excuse-moi, merci de ton rappel à l'ordre. merci à tous les deux. Peut-être un partage de bonnes pratiques sur comment vous avez fait pour être certifié B Corp. Alors, j'ai compris, Bertrand, qu'il fallait une piscine pour remplir le questionnaire. Oui, alors maintenant, il n'en faut plus. Hein. C'est pas bon, c'est pas bien. Comment est-ce que vous êtes organisé rapidement chacun pour mener, c'était quoi la gouvernance du projet, est-ce qu'il y a eu des difficultés, comment vous les avez surmontées, peut-être juste comme ça sert à nos camarades qui seraient intéressés de se frotter au BIA. Je peux commencer. Pour nous, ça a été dédié une équipe avec une personne à plein temps sur ce projet-là. Pour nous, ça a duré un an et demi. Donc, l'ensemble des associés, on est 2 cofondateurs et cette équipe avec cette personne qui est en charge de la task force, je dirais, B Corp, on a mis tout le temps et l'énergie nécessaire pendant et avec des meetings réguliers, hebdomadaires et ce que l'on continue d'ailleurs aujourd'hui. Je dirais, l'enjeu de transparence est toujours très fort. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais qu'on pousse, mais ça nous force en tout cas à aller encore plus loin. Donc, ce n'est pas un challenge facile, évidemment. Non pas qu'il y ait des choses à cacher, loin de là, mais jusqu'où on va dans la transparence des informations financières, etc. C'est des choses qu'aujourd'hui, on partage à 100%. Mais je dirais que c'était un défi au départ qui n'était pas évident dans notre façon de transmettre les informations.
De notre côté, alors la première fois, j'y suis allé plutôt en mode solo. Et cette année, en fait, on a une équipe qui s'appelle Climate Impact et Social Management qui a été créée chez Davidson. Et donc, évidemment, c'est cette équipe qui s'est mise au boulot. Maintenant, moi, je reste proche parce qu'en réalité, il y a tout de suite et rapidement des décisions managériales à prendre. Donc, je pense qu'une équipe RSE qui n'aurait pas un support total de sa direction générale aurait quand même énormément de mal. Parce que, comme le disait Elisabeth, c'est pas incantatoire, quoi. C'est-à-dire qu'on décide de faire des choses et après, le questionnaire vient sanctionner positivement ou négativement ces projets. Mais il faut des vraies impulsions et des vraies décisions en amont. C'est pas du bricolage de KPI ou de reporting. Donc, je ne concevrais pas, par exemple, de larguer une équipe toute seule sur la mer du BIA sans qu'elle puisse vraiment très rapidement reboucler à peu près tous les sujets avec la DG. Ok, super. Peut-être dernière question et on va prendre ensuite les questions du public. Est-ce que vous vous donnez l'un et l'autre des objectifs pour la prochaine certification ? Toi, Bertrand, tu viens d'y passer, donc encore quelques années, mais du coup, il y a trois ans. Oui, mais en même temps, alors on va s'y prendre différemment. C'est-à-dire que en vrai, on était très artisanaux dans l'approche. On s'était dit, on a été certifié. Ah tiens, 2021, on recommence. Bon, là, on est un peu tactique, Elisabeth, mais tactique for good. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment identifié les dix endroits où on voulait progresser. Et donc, là, on n'est plus du tout artisanaux. Voilà, il y a des objectifs. J'aime pas dire ça comme ça parce qu'on n'est pas dans la logique du tout KPI et machin chouette, mais il y a vraiment 10 objectifs qu'on s'est fixés et sur lesquels on ne veut plus du tout traîner. Et voilà, donc ces 10 objectifs, on sait déjà comment ils impactent notre BIA. Ouais. On a quand même fait l'addition. Ok, super. Fabien, de votre côté ? Alors, on est au début. On a récemment défini notre vision à horizon 2030 avec nos KPI financiers, nos KPI d'impact, et que l'on évidemment on souhaite atteindre avec l'ensemble des parties prenantes. On va publier notre premier rapport d'impact à la fin de l'année. On essaie d'être constamment en réflexion et ouvert à des nouvelles idées. On traque évidemment l'ensemble de nos impacts, mais je pense qu'on doit aller encore plus loin. Donc, voilà, c'est que le début, en tout cas pour nous. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je regarde le chat parce que donc n'hésitez pas à poser vos éventuelles questions. J'essaie de regarder. Il y en avait un premier, une première, peut-être si je commence par la fin, qui était… c'est quoi l'impact de la certification ? J'allais dire, comment on fait pour mobiliser ses fournisseurs sur ces sujets ? Ou est-ce que vous avez l'un et l'autre des bonnes pratiques à partager ? Peut-être Augustin, de ce que tu vois, de ce que tu as vu ailleurs. Comment on fait pour mobiliser les fournisseurs ou quel est l'impact de la certification B Corp sur les fournisseurs qui eux-mêmes ne sont pas B Corp ? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Augustin sur… La base ouais. C'est un principe général aussi qu'on peut rappeler, qui est cette histoire d'interdépendance. Et puis, je pense qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a la fameuse déclaration d'interdépendance qu'on demande à chaque B Corp de signer. Alors, elle a aucune valeur juridique, mais elle a une très forte valeur symbolique, qui est qu'on demande aux entreprises de reconnaître qu'elles font partie d'un mouvement plus large, d'un écosystème, et que du coup, elles essayent de travailler un maximum avec des entreprises qui font partie du mouvement, alors qu'ils sont B Corp ou qui, plus largement, sont utilisatrices de cet outil de mesure et de gestion d'impact. Et puis après, peut-être pour aller dans des choses plus concrètes, je peux vous partager l'exemple de Bledina qui vient d'obtenir sa recertification, qui a été assez intéressant, où ils ont parcouru la liste intégrale de leurs fournisseurs. Elle est très longue, leur liste de fournisseurs, et ils ont demandé à chaque fournisseur d'ouvrir un BIA et de commencer à le remplir.
Alors, sans aucune obligation d'arriver jusqu'à la certification B Corp, parce que je pense que là, c'était un niveau d'ambition qui était trop élevé. Mais en tout cas, la simple démarche d'engager les fournisseurs dans l'outil et de les mettre en mouvement sur cette notion de mesurer, comprendre et ensuite de piloter leur impact, ça a été un gros projet. Alors, ça leur a pris du temps. Je crois qu'ils ont mis quasiment toute leur période entre deux certifications à mettre en mouvement tout ça, mais ils ont réussi. Et je trouve que c'est une super façon d'engager toute sa chaîne de valeur, et notamment fournisseurs. Ok, super. Bertrand, Fabien, des exemples de ce que vous avez pu faire ou des discussions en cours avec des fournisseurs ? Bien, je t'en prie. Ce que je peux, nous, on essaye, je dirais en interne, de faire un peu cette due diligence pour évaluer en tout cas le degré et le commitment de nos fournisseurs, de nos partenaires. Ça nous arrive de refuser évidemment de travailler avec des fournisseurs ou même avec des clients. Si on estime qu'ils ne viennent pas cocher, je dirais, les critères que nous, on a définis en interne. Alors, on ne s'appuie pas sur un BAE aujourd'hui, même si je trouve que c'est une très, très bonne idée. Mais en tout cas, on a déjà une petite grille de critères qu'on a, nous, en interne, définis, qui aujourd'hui est un peu le framework pour définir si oui ou non on travaille avec un fournisseur ou un client. Oui, de mon côté, effectivement, on a évidemment fait évoluer notre politique CACHA sans introduire le BIA. Néanmoins, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en fait, moi, je considère que mes fournisseurs sont comme mes collaborateurs, en vrai. On parlait tout à l'heure de travailler avec l'ensemble de ces parties. Ben, y a pas de raison de les différencier, réellement. C'est-à-dire que, évidemment, pour certains fournisseurs, comme pour certains collaborateurs, il faut sensibiliser et expliquer avant de mettre en mouvement. Donc, en fait, il nous est arrivé moult fois ces derniers mois de faire le même travail de pédagogie pour l'externe que pour l'interne. Je donne un exemple tout bête, mais quand on a dit à notre fournisseur de restauration qu'on voulait du végétarien tous les jours de la semaine, alors pas que, hein, mais que tous les jours les végétariens puissent avoir un plat et que 2 jours par semaine, il n'y ait pas de viande carnée, il y a eu un choc, quoi. Et le même choc, d'ailleurs, que quand on a dit aux collaborateurs 2 fois par semaine, vous n'aurez pas de brochette à la cantine, quoi. C'était totalement miroir, quoi. Et donc, les collaborateurs, tu leur expliques avec une fresque et nos gestes climat quel est l'impact de la viande carnée. Et ben, en fait, il faut faire la même chose avec ton fournisseur. Et il faut l'encourager à payer des cours de cuisine végétarienne à ses cuisiniers. Voilà, donc… Pour moi, le questionnaire, le BIA, très bonne idée, je pique aussi comme Fabien, mais pour moi, il ne faut pas faire l'économie du même travail d'accompagnement de certains fournisseurs, voilà, qui n'ont pas tous la chance d'avoir connu la certification B Corp ou de faire partie de la convention des entreprises pour le climat quand on le fait, donc d'avoir ces fameux tuyaux dont on parlait tout à l'heure de prise de connaissance. Ok, super. Peut-être une question plus générale sur la crise Covid et ce qu'elle change de votre point de vue. Tu en as un peu parlé, Bertrand, tout à l'heure, enfin, ce qu'elle a changé ponctuellement, mais si on essaie de prendre un peu de recul, est-ce qu'elle vous paraît changer qui va dans le sens de la certification ou à l'inverse qui bloque un peu l'émergence de ce mouvement ? Bertrand, peut-être, et puis Fabien et Augustin ? Je vais presque jouer un joker là-dessus parce que j'attends vraiment de voir. C'est pas facile, c'est pas une question facile. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est pas pour te taquiner, Elisabeth, mais je pense qu'il est presque un peu tôt pour y répondre parce que on est loin d'avoir compris tout ce qui se passait là. Bon, déjà, bienvenue dans le monde de l'inflation, qui va avoir des sacrées conséquences économiques et des sacrées conséquences sur l'impact aussi. Voilà, s'il faut écouter un mec qui s'appelle De Certine, par exemple, qui fait très bien la jonction entre les deux. J'attends de voir. Évidemment, il y a des corollaires extrêmement positifs, la limitation des déplacements, etc. On voit bien que sur ces sujets-là, il y a eu des choses très positives. Mais il y a aussi des choses, si on regarde, par exemple, les aspects gouvernance et santé, bien-être des collaborateurs, moi, je vois aussi quelques effets pervers, déjà. J'ai entendu des gens me dire que ils avaient bien compris qu'il fallait plus sortir de chez eux et que ça leur allait bien. Bon, l'ultra sédentarisation peut avoir quelques conséquences sur le cholestérol et d'une manière générale sur la qualité de la vie sociale.
J'ai un petit truc qui me flippe sur cette thématique-là, mais on va voir ce que ça donne. Ok, Fabien, Augustin. Je suis très d'accord avec Bertrand, je pense que c'est effectivement encore trop tôt. Mon sentiment, et peut-être parce que poussé par l'optimisme, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de penser que c'est vraiment ça va accélérer les choses dans le bon sens. Je pense que ça va être plus compliqué, que ça va prendre plus de temps que l'on aimerait. Je pense qu'il y a, voilà, il faut encore du temps, il y a un enjeu d'éducation auprès du plus grand nombre. Mais si je dois pencher d'un côté, j'aurais tendance à pencher du côté positif en tout cas. Par conviction. C'est forcément. Philosophie. C'est un choix, c'est pas forcément. Ouais, je vais y croire et. Ouais. Non, mais peut-être que ce que je retiens quand même, c'est qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on a envie de créer de la valeur pour l'ensemble de ces parties prenantes? Ça veut dire quelque part qu'on essaye d'en prendre soin. Et je pense que dans toute la crise, notamment Covid, qu'on a vu, et particulièrement au début, dans les premiers confinements, on a vu pas mal d'histoires passer sur ces entreprises qui, pour certains fournisseurs avec lesquels elles avaient des relations très particulières, les faisaient tout pour essayer de les payer quand même. Et je pense que c'est ça aussi, Bicorp, quand on prend soin de ces parties prenantes, on se crée en fait des écosystèmes qui, par nature, sont beaucoup plus résilients face à des crises, parce qu'on crée ces fameuses mécaniques d'interdépendance où s'il y en a un qui n'est pas bien, et bien en fait il est quelque part rattrapé par son écosystème. Et donc moi, c'est l'espoir aussi que j'ai. Il est peut-être un peu trop tôt pour se retourner vraiment complètement en arrière et tirer des leçons quasiment avec de la data sur la fameuse résilience des entreprises, mais quand même ça commence à émerger un petit peu dans certaines enquêtes et études. C'est que quelque part ces entreprises, alors Bicorp à mission, à impact, mais en tout cas qui avaient au cœur de leur philosophie de prendre soin de leurs écosystèmes et de leurs parties prenantes, elles avaient quand même tendance à être plus résilientes dans ces périodes de crise. Peut-être qu'elles elles ont des trajectoires de croissance ou autres qui sont moins fulgurantes quand tout va bien, mais je pense que dans la durée, dans la très longue durée, elles vont pouvoir démontrer des capacités de résilience, à mon avis, qui sont plus poussées que des entreprises peut-être plus traditionnelles. Alors, à l'appui de ce que tu dis, Augustin, hein, on a fait la première version d'une enquête auprès des Bicorp françaises, qui pourrait devenir peut-être régulière sous forme d'observatoire ou autre à imaginer. Mais en tout cas, effectivement, à l'appui de ce que tu dis, aujourd'hui, 84% des entreprises qui ont répondu disent qu'elles ont été résilientes, que la démarche Bicorp est un facteur de résilience dans la période de crise qu'on traverse. Et 40% se disent même très résilientes, avec plus de 50% qui disent que leur chiffre d'affaires évolue mieux que celui de leur marché. De mémoire, je regarde les chiffres là parce que je les ai ici. 88% des entreprises qui disent qu'elles sont en croissance depuis leur certification, donc, et 67% disent que même Bicorp a eu un impact positif sur leur stabilité, leur solidité et leur croissance. Donc ça va totalement dans le sens de ce que tu dis. Il y avait une question tout à l'heure sur ce que j'ai parlé rapidement, alors ça concerne plus la société à mission, hein, mais la liste des entreprises externes, me demande-t-on, pouvant participer au comité de mission. Alors, pour être clair, le comité de mission dans la société à mission, et ça vous aide aussi d'ailleurs à gagner des points je l'ai dit, dans la partie mission lock, mais aussi dans la partie dialogue avec les parties prenantes du questionnaire Bicorp, si vous créez ce type de comité. Il est censé être composé de parties prenantes internes, et donc quelques représentants des salariés, et pas forcément les représentants élus, hein, ça peut être des gens que vous désignez ou qui sont auto-désignés, bon bref, et des participants externes qui ne sont pas nécessairement des entreprises, ça peut être des représentants de parties prenantes, des experts, je prends le cas de 17 Sports, ça pourrait être des experts du sport, le ministère des sports, j'en sais rien, la directrice développement durable de Roland-Garros, enfin
des gens comme ça qui sont dans l'écosystème qui est celui sur lequel vous travaillez, des ONG, pourquoi pas, etc. La ville de Paris qui a quelques sujets autour du sport et du développement durable pour les années qui viennent. Bon, j'en sais rien. Donc, des gens qui sont dans un écosystème d'expertise ou des parties prenantes directes, des représentants des fournisseurs, etc., dont avec lesquels les échanges sont suffisamment constructifs pour que vous vous disiez qu'il y a aussi une dimension de représentativité des parties prenantes, mais aussi une question de casting individuel. Vous vous dites, tiens, si j'interagissais plus souvent avec ces gens-là sur ma stratégie, sur mes pratiques, etc., ça me ferait progresser. Voilà, donc il n'y a pas de... C'est un exercice assez libre, en fait, hein. Il est très peu contraint par la loi. Et pour finir de répondre à la question qui était posée, ça n'a rien à voir avec les statuts. Dans les statuts, vous mettez la raison d'être et les grands objectifs. Et en même temps que les statuts en général, vous commencez à créer un règlement intérieur du comité de mission. Et c'est celui-là qui dit bah, il y aura tant de membres internes, tant de membres externes, etc. Voilà pour cette question. Je pense qu'on arrive au bout de cette table ronde. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas l'impression, ben, je vous en prie. Je ne sais pas qui est sans coup, je ne sais pas, mais en tout cas, merci de vos remerciements. Voilà, il nous reste à remercier vivement tous les participants à cette table ronde. Je vous signale qu'avec Bilab, on sort la semaine prochaine un petit livre que voici qui s'appelle « La révolution Bicorp », qui reprend la jolie identité visuelle qui est derrière Augustin et qui comprend une trentaine d'autres témoignages, de 32 de mémoire, de dirigeants Bicorp qui témoignent aussi de leur démarche et qui vous donnent aussi quelques détails sur la philosophie Bicorp, le mouvement, le questionnaire. Voilà, donc n'hésitez pas, ça sort la semaine prochaine, c'est chez Pearson. Voilà, et ben merci beaucoup, merci à Senwest d'avoir organisé cette masterclass. Je ne sais pas, Fadila, si vous voulez dire un petit mot de conclusion. Vous remercier, hein, vous remercie pour votre intervention, pour cette animation qui est vraiment de bonne qualité. Maintenant, je comprends ce qu'est Bicorp, donc je pourrais en parler à d'autres entreprises. Alors, ce que je peux dire, pour terminer, pour les participants qu'on a enregistré cette masterclass, donc nous pourrons éventuellement envoyer le replay à l'ensemble des participants. Peut-être voir aussi pour les slides, hein, Augustin, si Elisabeth, si on peut vous envoyer, mettre votre contact. Tout à fait. Voilà, je tenais aussi à remercier Fabien et Bertrand de votre approche en fait pratique. C'est vrai que c'est vraiment intéressant en fait de voir un peu comment ça se passe dans les entreprises et avoir en fait un double regard en fait de la TPE et avec une entreprise un peu plus conséquente. Ça permet en fait d'avoir une vision globale un peu de ce qu'on peut faire au sein d'une entreprise. Donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ah oui, les corps. Bah alors attendez, je vais mettre ça dans le chat en essayant de le mettre à la conférence. Ah ouais. Pouvez-vous transmettre les coordonnées de la publication et je le remettrai également hein, sur le mail avec le replay. Ouais. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que évidemment, on l'a rappelé, on l'a dit plusieurs fois, mais je le répète, le questionnaire du BIA, le BIA, est accessible gratuitement à toutes les entreprises en ligne. Donc, que vous soyez en création ou salarié dans une entreprise grande ou petite, vous pouvez ouvrir un compte demain, commencer à rassembler peut-être vos collègues et motivés par le sujet et faire le questionnaire. Et on l'a dit, hein, Augustin l'a dit, il y a 5000 entreprises certifiées aujourd'hui, mais 200 000 qui ont utilisé le questionnaire pour s'auto-évaluer, structurer leur démarche, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très enrichissant à faire. Et la période estivale, avec ou sans piscine, la pause estivale se prête pas mal à se plonger là-dedans. Donc, n'hésitez pas, c'est la meilleure façon, je trouve, d'appréhender ce dont on parle. Bon, bah écoutez, bah merci beaucoup. Merci à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci pour votre écoute. Au revoir. À bientôt. À bientôt.